endroit commode. Et les conditions de mon arrestation non plus. Pendant près de 60 heures sans voir le jour, c'est assez stressant, je dirais même traumatisant. Et à partir du moment où j'ai été transféré à l'école de gendarmerie, je suis resté une semaine pratiquement en isolement puisque je n'avais pas droit à des contacts à l'extérieur, j'étais tout seul. À partir du 16 novembre, les choses ont commencé à s'améliorer. L'opposition doit continuer son combat pour la démocratie. Le fait qu'elle se soit regroupée au sein d'une plateforme est une opportunité pour qu'elle puisse peser sur la vie politique en Côte d'Ivoire, notamment en faisant en sorte que nous sortions de la crise en dehors de ma libération. Il faut savoir qu'il y a encore de nombreux Ivoiriens qui sont en prison, d'autres qui sont en exil. Le pays a besoin d'un grand dialogue national et il faudrait qu'à un moment ou un autre, nous ayons la capacité de nous asseoir autour d'une table pour en parler. Il ne s'agit pas de gagner une bataille ou de perdre une bataille. Il s'agit de travailler, de construire la démocratie. Aujourd'hui, nous en parlons de dialogue politique. Si on avait pu nous asseoir pour discuter, on aurait fait certainement l'économie de tous ces violents, de tous ces morts. C'est les Ivoiriens qui vont l'accueillir parce qu'il est parti du pays en tant que président de la République en exercice sortant, dans des conditions dramatiques. Et c'est même pour cela que les Ivoiriens sont restés attachés à lui et à sa cause, parce qu'ils savent qu'il était au service de la nation. En tant que citoyen, fils de ce pays, compagnon de longue date du président Gbagbo, que nous l'accueillerons. Ça, ce sont des choses que nous devons rediscuter. Il faut reconnaître qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je faisais ces propositions-là dans la perspective de l'élection de 2020. Maintenant que ce moment est passé et que nous devons faire face à un nouveau contexte, il faut que nous discutions pour voir comment nous poursuivons notre lutte ensemble. Quand vous dites dispersé, ça veut dire qu'il y a plusieurs pièces. Nous ne sommes qu'une pièce, donc une seule pièce ne peut pas parler de dispersion. Notre souhait le plus ardent, c'est que l'opposition de façon générale aille en rang serré comme elle l'a fait pendant cette période de désobéissance civile. D'abord, toute ma gratitude à tous nos compatriotes qui se sont mobilisés pendant ces moments pour nous témoigner leur solidarité, leur affection et leur soutien. Et il nous appartient de faire en sorte que tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont perdu la vie pendant ces événements, que leur sacrifice nous édifie, nous amène à plus de sagesse, plus de tolérance, de manière à ce qu'à l'avenir, le jeu politique en Côte d'Ivoire se déroule dans un environnement de fraternité, de sérénité, de confiance et de paix.